Que signifie l'eau pour moi, au-delà de cette ressource précieuse et essentielle à la vie? J'ai envie de dire au début était l'eau. On ne peut penser à l'eau sans penser à nos origines de la vie. Donc c'est l'origine et c'est l'essence même de la vie. Alors pour moi, l'eau, c'est au commencement de la vie, c'est tout au long de la vie et jusqu'à la fin. C'est un territoire, c'est là où on habite, c'est là où on est né et c'est là où on meurt. L'eau, c'est vital. Je dirais naissance et vie. C'est l'élément le plus essentiel, c'est l'élément qui nous lie tous les êtres vivants sur notre planète. Et puis c'est aussi une source de loisirs, de divertissement. L'eau, c'est l'amusement. Donc pour moi, l'eau, c'est aussi la joie. Qu'est-ce que représente l'eau pour moi? Je vais reposer la question à l'envers. Qu'est-ce qu'on ferait si l'eau n'existait pas? On ne ferait rien. Donc l'eau, pour moi, c'est tout. Alors il faut qu'on sache la partager, la consommer correctement, bien l'utiliser, que le monde entier puisse en profiter. Posons-nous la question de ce que nous serions si nous n'en avions pas. Elle est tout simplement vitale. Ensuite, ses applications sont multiples. Elle touche à peu près tous les domaines de la vie. Ben écoutez, pour moi, l'eau, c'est la vie. Et effectivement, c'est quelque chose d'essentiel, surtout dans notre région où on a la responsabilité de gérer un capital. Le lac, l'eau sous toutes ses formes aussi, hein, puisque c'est aussi le tourisme, c'est l'économie. Et puis, ce besoin d'urgence de pouvoir prendre soin de cette ressource, puisque aujourd'hui on l'a dégradée. Donc il est important qu'on puisse faire beaucoup mieux et traiter cette eau comme elle le mérite. L'eau pour moi, c'est la vie, c'est universel, c'est une richesse. Elle devrait être partagée pour tout le monde. Et, ça n'a pas de prix. C'est notre territoire dans tous ses domaines, la neige, la glace, les torrents, le lac, l'eau propre, l'eau usée, l'eau pluviale. Et c'est tous ces domaines qu'il faut qu'on travaille. L'eau, c'est la vie. On a le plaisir, le privilège d'être dans une région où on a beaucoup d'eau. On est dans un cadre magnifique et à ce titre-là, sachons préserver cet endroit magique et ce produit qui va devenir de plus en plus rare, l'eau. Ben, l'eau, c'est notre énergie. C'est notre énergie pour grandir. C'est vraiment notre énergie pour vivre, pour faire pousser les plantes, pour faire pousser la vie sur Terre. C'est notre ADN. L'eau, c'est un droit pour ceux qui en sont privés et un droit pour les générations futures. L'eau, c'est 60% de notre masse corporelle. Donc c'est plus de la moitié de ce que nous sommes. Ce que représente l'eau pour moi, c'est vital, c'est la vie. C'est ce qui alimente la vie de tous les jours. Et sans eau, on n'aurait rien. Donc pour moi, l'eau représente la vie. Voilà, c'est ce qu'il y a de vital sur notre terre. Hein. Alors, l'eau pour moi, c'est mon quotidien. C'est dès le matin, je me lève, on en consomme. C'est mon territoire dans lequel je vis et c'est mon métier parce que l'eau nous entoure et sans elle, on n'est pas grand-chose. Eh bien, c'est très simple, l'eau, c'est la vie.